L'anthropologie, donc dans mon esprit, ça n'était que l'image. Ce sont les gens qui sont experts des questions autochtones. Je n'étais pas si bête de ne pas en avoir une notion un petit peu plus raffinée. Pourquoi? Parce que j'avais rencontré, dans le petit village où je me trouvais, à Wemindji, de passage, par exemple, un jeune anthropologue qui travaillait au ministère des Affaires indiennes, et très rapidement, évidemment, parce qu'on avait un petit peu plus d'instruction, on était devenu possiblement le bon copain, et puis comme c'était quelque chose qu'on faisait assez souvent avec les cris, mais qui était très rare pour les gens qui passaient, aller à Fort George en canot par la baie James. Je l'avais fait monter avec nous et on avait passé une couple de jours sur la baie et billets d'amitié, et puis là, il me fait parler de culture, et ainsi de suite. Donc, bref, j'étais un peu exposé à ça. Puis, j'avais eu aussi un type en visite, un psychologue social de l'Université Queen's, John Berry, qui travaillera beaucoup sur les questions d'identité par la suite, et qui est même un nom assez connu en psychologie sociale, interculturelle, et toutes ces dimensions, qui était venu, là, pour étudier les perceptions des Autochtones et ainsi de suite. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Je disais, je ne savais pas ce que c'était que les sciences sociales auparavant, mais là, je savais que c'était dans ce domaine-là qu'il y avait des experts et que particulièrement pour les Autochtones, les experts, c'était les anthropologues. Mais je ne savais pas trop ce que c'était le contenu de tout ça. Moi, ma préoccupation, c'était déjà à ce moment-là de comprendre pourquoi, par exemple, on est obligé de fonder une coopérative. Autrement dit, qu'est-ce qui a changé? C'est sûr que, d'après moi, la domination coloniale qui s'incarnait désormais par le ministère des Affaires indiennes et toute la loi sur les Indiens, que j'avais été obligé de lire, d'essayer de la comprendre, il y avait là des choses absurdes qui rendaient, entre autres, impossible de faire des affaires selon les choses, les règles qui sont banalement reconnues, le marché libre tel qu'on le connaît ici. Tout à coup, tu t'apercevais que, ma foi, c'est l'Union soviétique, cette réalité-là, du point de vue institutionnel, là, tu ne peux absolument rien faire. Tout est en haut, les Indiens ne sont rien. Le conseil de bande n'était qu'une extension juridique du ministère des Affaires indiennes. Il peut être changé n'importe comment, et ainsi de suite. Il n'y a pas de démocratie. Alors, il y a un univers, mais en quelque sorte, c'était les institutions sociopolitiques et économiques qui me frappaient. Pas la culture, puisqu'on n'en parlait jamais. Et que je n'ai jamais eu absolument aucun doute que les Autochtones avec qui je vivais, c'est tout un monde en soi, là, ça. La question ne se posait pas du tout et insondable dans rien des cas, parce que l'on ne discutait pas des traditions anciennes. Au contraire, on faisait une discussion très rationnelle, je me souviens, avec un plus vieux, le grand-père d'un plus jeune avec qui j'étais, et puis il commence à nous parler d'une femme dans la mer, puis au travers de la traduction, je dis, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit qu'il y a des femmes dans la baie. Il y a une femme, là, d'une espèce de dieu, il est là-dedans. J'ai dit, grand-papa, il n'y a pas de femme dans la mer, c'est que tu as pris ça. Puis là, il dit, j'ai pris ça ici, qu'est-ce que c'est, ça, c'est dans son cœur. Non, 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 il dit, il y a une petite Bible. Il dit que c'est dans la Bible. J'ai dit, grand-papa, ça ne peut pas être dans la Bible, la Bible. Je dis aux chrétiennes, c'est les blancs qui ont porté ça. Ça ne peut pas être ça qu'ils ont décidé qu'il y a une femme dans la baie. C'est vrai, ce beau naturel, là, d'une rationalité tout à fait contemporaine avec la tradition. J'avoue que c'est un peu comme ça qu'ils voyaient les choses. Je ne raconte pas ça pour rien, parce que en arrivant en anthropologie, par les bons soins qui m'ont servi de guide, notre oncle à tous, Marc Adélard Tremblay, qui m'avait été recommandé par un collègue du gouvernement, un cadre qu'il connaissait pour avoir déjà été professeur, il dit, va voir M. Tremblay, il va t'orienter un peu, avec une gentillesse remarquable. Il m'a dit, ben oui, vous allez vous trouver à l'aise, et ainsi de suite. Et puis, bon, Mavlak est inscrit. Et presque dans les premiers cours, j'ai un professeur, j'aime autant pas dire son nom, parce que je vais dire des trucs qui sont pas, à mon sens, sympathiques, mais que j'ai bien aimé plus tard, que j'ai connu.
dit dans un cours que Max Gros-Louis, qui est la figure, qu'est-ce qu'un Indien, le Max Gros-Louis, Max, on sait, on connaît le personnage. Il dit, c'est pas un Indien pour vrai, ça. Je t'achète pas, au milieu du trimestre. Je trouvais que t'as rien que des Autochtones, pour ainsi dire, morts, tels qu'il n'y en avait plus. Bon, je veux bien, moi, morphologie saisonnière des Esquimaux, mais aujourd'hui, ça dépend de la saison de l'atterrissage de l'avion. Des affaires de gros bon sens, des paix, là. Donc, il y avait cette représentation de la culture. Je trouvais que c'était la célébration de la beauté du mort. Et puis, il me dit, Magrouille, c'est pas un Indien. Je dis, lève ma bête. Moi, j'ai fréquenté un peu les Indiens, là, puis ils ressemblent beaucoup plus aux Indiens que je connais, parce que Magrouille, qu'aux Indiens dont vous parlez, là. Il dit, on peut pas, des Indiens, s'imaginer qu'ils sont, pour ainsi dire, à l'abri de l'histoire puis du monde, ben, puis d'en faire des espèces de statues de bois comme les Indiens dans les cigar stores américains, là. Ils m'avaient reviré avec un certain nombre de bêtises pour me remettre à ma place. Alors, j'ai eu un réflexe d'une très grande dignité. Si le professeur ne m'aime pas, je m'en vais. Et j'ai dit, j'avais découvert entre-temps que ceux qui intéressaient les forces qui bouleversent les cultures, pour prendre un langage que j'étais en train d'acquérir sur le tas, ceux qui étudiaient ça, là, puis pour lâcher le mot abject, la modernité, c'était les sociologues, pas les anthropologues. Les anthropologues, tu disais modernité, ils sortaient leur revolver. C'est ça qui détruisait les cultures, c'était dégueulasse, colonialisme, et ainsi de suite. Ne pas parler de modernité, tu es toi-même le cheval de Troie de l'assassinat des Autochtones. Bon, en plus, je me fais traiter de nom, le professeur. Et pas fin, moi, je m'en vais d'ici. J'ai assez de misère d'être avec du monde dont je ne partage pas la culture. Ça me poursuit depuis mon enfance. J'ai fini mon trimestre et j'ai tellement aimé des choses de l'anthropologie. Je m'appelle encore un cours d'introduction, je ne me souviens pas qui le donnait. On nous donnait comme manuel de base Paul Mercier sur l'évolution de l'anthropologie. Oh, je trouvais ça riche et intéressant, super comme science. Mais dès le moment où il s'agissait de commenter la praxis, voilà encore un terme que j'apprendrai dans mes premières armes, mes premiers apprentissages des sciences sociales et en sociaux cette fois, il y avait cette image cliché de l'anthropologue comme glorificateur nostalgique d'un monde perdu, disant que toute la modernité détruit les Autochtones, et voilà, et c'est toujours la faute du blanc, et ainsi de suite. Ce qui, à la limite, déjà me permettait de répondre à notre époque, si tout est la faute du blanc qui est porteur de la modernité, je faisais des ponts, je disais, alors c'est vrai, c'est comme nous autres, les Anglais. Ils nous détruisaient, puis ils nous dominaient. C'était un peu la même chose. Je me suis mis à faire des ponts entre l'expérience des Canadiens français catholiques, soi-disant assujettis colonisés par les Anglais, qui représentaient le blanc. De l'autre côté, tout à coup, toi-même, un Canadien français, tu étais un blanc par rapport aux Indiens, puis avec exactement des descriptions qui correspondaient l'un à l'autre. J'ai dit, mais ça, alors donc, c'est pas du vrai monde, ça. Ce sont des personnages qui se confrontent, qui sont issus de... Là, le vocabulaire, je ne l'avais pas, mais ça m'a pris un moment pour l'avoir, mais c'est un tissu d'une sorte de macro-interaction symbolique à l'échelle de l'histoire, médiatisée avec les inégalités, les violences et tout ce qu'on voudra, mais malgré tout, ils sont en quelque sorte dans un gigantesque champ de signification partagée, où l'un se définit par rapport à l'autre, dans une énorme hiérarchie. Et finalement, les discours d'identité ne sont que des idéologies de ce monde plus large qui les emporte. Et ce monde plus large qui les emporte, il est sans cesse rongé par le bas, par les forces dites de la modernité. C'est parti d'Europe, mais répandu partout par le colonialisme, par l'ARM, mais aussi la croix comme une raison, mais aussi la raison, le socialisme, l'émancipation des peuples. Toutes notions aussi très modernes qui se sont répandues.
C'est plus tard, je fais un raccourci, là. Mais disons que c'est ce que j'ai essayé, justement, de comprendre. Et même si j'ai aimé beaucoup, beaucoup le caractère scientifique de l'anthropologie, l'idéologie culturaliste ou ethniste que j'y ai trouvé m'avait sur le coup rebuté. Excusez-moi. Allô? D'ailleurs, pour caricaturer, parce que c'est pas si simple, mais je dirais en quelque sorte que l'impression qui m'avait été donnée de mes premiers enseignements en anthropologie, c'est que l'anthropologie étudie la culture, pour aller vite, traditionnelle, pour prendre le terme que tout le monde utilise. Essayer de la reconstituer à partir... Déjà, à cette époque, il fallait faire le terrain, le armchair anthropologie, c'était terminé, bien sûr, je le sais bien. Puis par conséquent, ça voulait rencontrer des informateurs privilégiés, puis reconstituer le monde, plus pas tout à fait en pratique, là. Mais bon. Et puis, je commençais à lire aussi des travaux d'anthropologues sur le Nord, le pays des Inuits québécois, et ainsi de suite. Puis, je disais, bon Dieu, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il y a des anthropologues, il n'y en a pas un qui a jamais dit un seul mot des coopératives. Alors, d'après moi, c'est la chose la plus importante qui est jamais arrivée, historiquement, quasiment depuis l'arrivée des Blancs, là. C'est quelque chose d'énorme, ça. Il y a des gens qui sont en train de s'organiser, de reconquérir l'économie. Ça les amène à avoir des visées politiques. Personne ne parle de ça. Or, ce que j'ai vu, moi, c'est des gens qui font des affaires en syllabique, qui se préparent à acheter des ordinateurs, puis d'essayer de faire faire leur propre programme en syllabique, c'est-à-dire avec l'écriture héritée du 19e siècle, qui est pour écrire leur propre langue. D'où la difficulté de traduire la différence entre profit et dividende. Comme je disais tout à l'heure, c'est entendu, il y a des subtilités épouvantables pour lesquelles la langue n'a pas de mots spontanément. On n'en avait pas non plus pour dire un autre mot important. Gavma, le gouvernement, l'État, la puissance politique, la souveraineté. Ah! On n'a pas de mots pour le dire. Autrement dit, on n'a pas saisi le concept. Or, justement au moment où je rentrais en sociologie, mes amis des coopératives grandissaient. La fédération devenait de plus en plus entreprenante. Et là, c'est dans tous les villages, on se mettait à construire des petits hôtels, on se mettait à construire un camp de chasse et pêche, on ouvrait un cinéma, on se mêlait, évidemment, de mettre en marché l'artisanat. C'est quand même... Et là, et l'art, la sculpture, ce qui est à cheval entre ces deux, j'ose dire, disciplines, l'art artisanal, il y a un passage, là. Mais c'est quand même quelque chose d'important, avec des inventaires qu'il fallait financer durant toute l'année, alors qu'on les écoulait graduellement, ce qui pose un gros problème d'emprunt, parce que ça te prive de liquidité. L'approvisionnement des magasins, ça commence à être des millions, de louer des bateaux... Et là encore, il fallait que tu empruntes et tu pouvais payer, ensuite rembourser ce que tu avais acheté sur des mois et des mois, parce que l'approvisionnement se faisait massivement au moment du dégel. Ça posait des gros, gros, gros problèmes de croissance financière parce que ça se développait énormément et financièrement, tu n'avais pas les moyens. Il fallait emprunter. Dès lors, le gouvernement était seul à pouvoir se porter garant. Ça entraîne des conflits continuellement. Les administrateurs gouvernementaux posaient toutes sortes de conditions. Le conseil d'administration des Inuits était assez fier et orgueilleux en disant « Vous ne nous direz pas comment mener nos affaires. » Alors, le gouvernement, moi, j'entendais ça continuellement à l'intérieur de la boîte. « Ah, ils sont manipulés par leurs conseillers supérieurs. » Si ce n'est pas la faute du père Steinman, c'est la faute de M. Murdoch qui leur manipule. Moi, j'avais entendu dire que je manipulais les cris. Puis là, je savais une chose, c'est que c'est eux qui me manipulaient pas mal plus. Il y avait quelqu'un qui manipulait l'autre. Et par conséquent, je me méfiais de cette idée qu'ils sont manipulés. Pourquoi ils seraient manipulés? Ils ne sont pas capables de rien faire sans venir s'humilier devant le gouvernement. Tu n'as pas besoin d'être manipulé. Puis ils se mangeaient donc de là. On a passé quelques millénaires là, à s'occuper de nos affaires. Puis là, ben, il est bien évident que nos affaires, c'est plus la même chose qu'avant. Là. Mais, puis, alors, qu'est-ce qui arrivait? Il s'est mis à germer dans le milieu lui-même. Puis moi, je gardais mes contacts, puis j'y avais mes amis continuels.
Il y avait, la Fédération des coopératives avait son, sa maison mère à Québec pour faciliter la mise en marché. Et à cause du support, du soutien fourni, surtout technique, par la, le mouvement des jardins. Alors, il y avait eu des petits côtés. Le mouvement des jardins faisait son petit paternalisme, mais malgré tout, ça, ça donnait des ressources de soutien pour aider. Alors, il était installé à l'autre côté du fleuve. Je allais volontiers prendre le traversier, puis aller voir mes amis, puis m'informer de ce qui se passait sur le terrain. Et puis, moi-même, j'étais dans des trucs d'affaires pour monter le dernier Sigri dans lequel j'étais impliqué, là, le Sigri Bouyindji, et donc qui amenait à discuter des questions du fonctionnement du marché, du capitalisme, de la place de l'État, encore là, emprunter, comment faire, et ainsi de suite, se garantir des marchés. Puis au Nord, t'as que l'État dans le visage, y compris les chicanes interconstitutionnelles à cause de la division des pouvoirs entre Québec et Ottawa. T'avais là les traductions banales dans la vie de tous les jours de tous ces machins qui ont l'air un peu abstraits. C'était une éprouvette socio-historique terriblement intéressante dans ce sens-là. Et ici, donc, on s'est mis à faire circuler l'idée au mouvement des coopératives qu'il faudrait créer un gouvernement de la région qu'on n'appelait pas encore le Nunavik, de la région du pays des Inuits et des Cris. Parce qu'il n'y avait pas que le Béjaïm, c'était en 70 à peu près, 69-70. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire contemporaine du Canada que la notion d'autonomie gouvernementale autochtone est apparue. Je crois. Je n'ai pas entendu nulle part ni lu que c'est arrivé ailleurs. Au 19e, il y avait ces choses-là. Mais là, le régime des réserves, de la dépendance paternaliste, pourrait être entré dans les mœurs. C'est même documenté des chefs qui disaient que les réserves font partie de la tradition et de l'identité autochtone, en quelque sorte. On disait plus souvent le mot « tradition » que « culture » à l'époque, ou « identité », pour désigner les mêmes choses, à mon sens. Et puis, il y a donc cette idée de gouvernement qui est apparue. Et moi, je me suis jeté là-dessus comme un noyé sur une bouée. Parce que je savais bien que ce n'est pas avec des petites coopératives que tu pouvais renverser... un siècle de domination coloniale. Non. Et puis là, j'ai trouvé que c'est tout à fait logique. Il y a des Inuits qui ne veulent pas se gouverner au nom d'un idéal romantique de l'autodétermination des peuples hérité du printemps des peuples de 1848. C'était pas ça. C'était beaucoup plus banal. C'est comme l'idée des coops. S'occuper... de soi-même pour essayer de ne pas être dépendant. C'est pas plus compliqué que ça. L'idéologie, il n'y a pas grand lyrisme dans tout ça. Ben, c'est un peu pareil. Ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable d'emprunter. Puis continuellement, on veut faire des projets, puis on se barre les pieds devant des lois et des règlements qui ont été faits à l'extérieur, puis qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais la grosse patente, c'était pouvoir avoir, si possible, des impôts, avoir une source autonome de capital. Et les coops, il faudrait qu'on soit en politique tout le temps. Ce n'est pas notre job. Nous, pour faire des affaires, on a besoin de pouvoir se fier sur l'administration de l'aménagement du territoire, par exemple. Puis là, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Ou bien c'est fiché à Ottawa ou à Québec par deux, trois ronds de cuir. C'est pas du mauvais monde, mais ça n'a pas de sens. Alors, c'est par gros bon sens, puis à partir de problèmes et d'embûches qui survenaient dans les choses les plus banales de la gestion de l'expansion des coopératives, qu'on est arrivé à cette notion d'un gouvernement autonome. Un gouvernement autonome. Nuance. On ne disait pas autochtone, on disait gouvernement régional. Pourquoi, entre autres? Parce que ce débat avait eu lieu au moment de la fondation de la Fédération. Est-ce qu'on l'appelle la Fédération des coopératives inuites. Il y avait un débat sérieux. J'ai été voir les procès-verbaux des réunions qu'il y a eu à ce sujet-là. Et on a fini par dire non, la coopération, c'est pas ça. Mêlons pas cette histoire. Les Blancs, les Six, c'est pas une affaire de Blancs, c'est une affaire de pauvre monde. Puis il n'y a pas de raison que des gens qui viennent ici, il va y en avoir qui vont rester de plus en plus, des étrangers et d'autres. Des Blancs m'ont dit, il n'y a pas de raison pourquoi ils ne collaboraient pas. Là, ils sont pris dans l'intérêt commun. Et on a donc décidé d'appeler ça la Fédération des coopératives
du Nouveau-Québec. Pourquoi? Parce que c'était le nom qui était donné et on s'affichait le même nom français. Pourquoi? Parce que le débat encore avait été à dire, on n'a rien à faire, c'est que la maudite Constitution du Canada fait qu'il y a les Français, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec eux autres. Là-dessus, je crois bien que l'influence du père Steinmann, effectivement, a pu aider à emporter le morceau. Mais on avait choisi un nom français et non ethnique. Et lorsqu'on discutait de gouvernement autonome, mais ça voulait dire informellement, moi j'allais à la Fédération des coopératives, ou bien ils venaient des Inuits en délégation, ben, il me fallait un traducteur par les Inuits, c'était un de mes chums des coops, ils demeuraient chez nous, mettons, parce que ça coûtait trop cher d'hôtel, puis on placotait comme ça, ou bien on allait à la brasserie, puis ils discutaient de ces choses-là. Et cette question de est-ce que donner un nom ethnique, Il y a un argument qui est apparu, je ne sais pas qui l'a eu, mais qui remportait le morceau aisément. Je veux dire, regardez les Indiens, ils ont un système fait pour eux autres. Hein, ça s'appelle la loi sur les Indiens. Puis c'est particulièrement. Puis regardez comment ils sont rendus. C'était suffisant. C'était suffisant pour éliminer la question de l'ethnicité. On disait, si c'est ça, on repart, puis on fait des réserves. Vous savez ce que c'est, des réserves indiennes? Pour les Inuits, c'était un cauchemar. Pas que qu'ils connaissent bien l'affaire, mais il suffisait de dire ça, c'était tabou. Alors, on a des réserves, rien que les Autochtones, vous vivez très bien avec des gens, les professeurs d'école ici, puis tout ce monde-là, là, vous faites des bons copains avec tout ça, là. Est-ce que tout à coup, vous allez dire, non, ça ici, c'est pour chez vous, ça c'est chez vous, vous allez être pris sur tout le système hérité des affaires indiennes, ça suffisait. Donc, on ne parlait que de gouvernement régional. Discrètement, l'accent, non dit, non ethnique. Le gouvernement, avoir les moyens de pouvoir agir sur soi-même de façon délibérée. Le sens du mot politique est le plus proprement possible. L'action délibérée de la société sur elle-même. Et l'institutionnalisation, c'est le pouvoir d'agir sur soi. C'est en quelque sorte l'extension, c'est le pouvoir d'État. Alors, avec délégation à l'intérieur des systèmes constitutionnels, c'est une autre question. Mais là, ça devenait de plus en plus important, cette chose-là. Puis moi, je poursuivais mes études, cette fois en sociologie, et tout ce que je pouvais accrocher dans les cours, j'essayais de le traduire pour que ça puisse s'appliquer à la situation autochtone. La première étude empirique, je l'avais faite dans un cours sur le Québec, je crois, où je m'étais mis avec deux, trois camarades, et j'ai dit, regardez, je vais ouvrir des portes, on va essayer de trouver tout ce qu'il y a de statistiques pour savoir quelles sont les conditions de vie des Inuits du territoire québécois. C'est le Québec, la course sur le Québec, c'est le Québec. Rappelez-moi, après, les Autochtones, c'est pas le Québec, c'est le Québec! Bon, alors, on va étudier ça. Mais souvent, avec mes héritages littéraires des belles lettres classiques, j'avais donné un titre complètement idiot à ce recueil, « Le peuple du peut-être dans la terre du futur. » C'est parti de l'esprit du temps, mais là, je sais pas, une figure, les deux verbes, là, que je trouvais d'une éloquence remarquable. Quoi qu'il en soit, ça a été mes premières armes, essayer de comprendre l'économie régionale et les conditions de vie matérielles, en quelque sorte, avec des statistiques. Parce que ce que je découvrais en sociologie, en somme, c'est que oui, que les gouvernements se servaient beaucoup des sciences humaines, et en particulier des statistiques. Et que si on était pour avoir un gouvernement régional, ce pourquoi j'ai travaillé aussi bien à l'intérieur du gouvernement, essayer de convaincre d'abord mes supérieurs hiérarchiques, puis ensuite les ministres, les instances politiques. Et ça a été mon grand péché, ma grande erreur de carrière, que de me mêler de convaincre les instances politiques. On le verra tout à l'heure. Mais avant, je vais expliquer comment est-ce que cette idée de gouvernement autonome soulevait ensemble les questions qui préoccupaient Montesquieu et Rousseau et Locke. Tu étais obligé de retomber dans la grande tradition qui a donné naissance aux sciences humaines. Et je m'y suis jeté passablement. Ça m'intéressait beaucoup. J'essayais de prendre. Quand il y avait des options, je prenais des cours sur ce genre de trucs. Je suis retourné en anthropologie pour prendre un cours sur l'anthropologie postcoloniale de l'Afrique, par exemple. C'était riche, je ne me souviens pas qui donnait
ça au juste. Je mêle des figures. Hein. Si je voyais les gens, je serais... ou le nom, je ne m'en souviens pas. Alors donc, j'essayais de prendre tous les enseignements. Si on prenait un cours sur l'urbanisation, ben oui, mais comment ça se forme une ville? C'est l'équivalent de sédentarisation pour les autochtones. Comment la ville transforme le milieu rural? Mais oui, mais t'as pas besoin d'avoir une ville, mon pauvre ami, les réserves, c'est quoi ça? Comment? Alors, je faisais des ponts constamment, là, de cette manière. Mais en sociaux, ça confirmait toujours la même idée que c'est l'historicité des choses et non pas le postulat d'un ordre des choses qui aurait été fixé au temps d'avant le temps et qui serait reproduit par la mythologie et ainsi de suite, d'une certaine conception hein, de la culture dans le modèle théorique, appelons-le pur, d'une société mythique par opposition à une société de projet. Et je n'étais pas capable, dès lors, de réduire la modernité au blanc. Pourquoi? Parce que je savais que les Canadiens français, ils avaient été aussi singulièrement bouleversés. Moi, je suis venu dans un univers où si un oiseau rentrait dans la maison, on disait « c'est un signe de mort ». Si un bruit survenait le soir à la porte, on disait « c'est peut-être les âmes du purgatoire ». C'est avec des morceaux de Moyen-Âge. Et puis, le christianisme que l'on pratiquait ici, le catholicisme, était passablement celui de la contre-réforme du Concile de Trente, c'est-à-dire avec des héritages très médiévaux, anti-protestants, anti-individualistes, et puis l'obsession du sexe, la répression du sexe, et ainsi de suite. Donc, alors, je ne pouvais pas réduire cette histoire-là. C'est pour ça que le schéma marxiste, il ne fonctionnait pas bien, là. Ça ne pouvait pas tout ça se ramener à une question de domination. Parce que, écoute, il y avait eu du monde terriblement bouleversé par la formation des villes, terriblement bouleversé par la montée des religions protestantes, dont 100 ans de guerre de religion et un coulé du sang. Je te garantis, il y en a du monde pour qui ça a été la destruction de leur culture. Et c'est ce qui, graduellement, je découvre. Puis au même moment, et toujours, pour arrimer tout ce qu'il pouvait y avoir d'institutions, de suggestions sur les modalités concrètes de s'approprier le changement, que je pouvais trouver dans cette tradition que me donnait la sociologie, comment ça s'applique au gouvernement régional inuit? Parce que dans notre esprit, on dit le gouvernement régional inuit, comme raison, même si, formellement, le gouvernement régional. Encore pour simplifier, ma foi, je trouvais des échos assez positifs sur la base d'un argument emprunté à la politique ambiante. C'est la seule façon de foutre les fédéraux dehors. C'est que si on s'entend avec les Autochtones, ça, c'est une émanation du gouvernement du Québec que de créer un gouvernement régional selon la Constitution du Canada. Il y a deux couronnes non, qui partagent souveraineté, c'est les provinces, fédérales. Fédérales pensent qu'il n'y en a rien qu'une, qu'importe. C'est assez clair dans la Constitution. Et le reste, municipal, régional, et ainsi de suite, l'émanation des provinces. Par conséquent, quand on est dans le même système, il faudra que ce soit une loi ici, mais on pourra mettre des choses comme impossible de la modifier sans l'accord de 85% ou 90% s'il faut de l'Assemblée nationale. Dès lors, c'est blindé, quoi. C'est quasiment constitutionnalisé. Alors, pour le gouvernement du Québec, ben, c'était finalement retrouver sa légitimité. Et c'était chez les Inuits où finalement on avait créé d'assez bons rapports, entre autres en se jetant sur ce que d'autres avaient fait, le mouvement coopératif, pour apporter tout le soutien que le gouvernement pouvait au mouvement coopératif, mais avec des conflits sur toujours ces questions de financement qui n'ont pas aidé non plus, qui mettaient passablement de sable dans l'engrenage. Or, ça paraissait comme une solution, ma foi, assez élégante. Et puis, de toute manière, à Ottawa, la politique, c'était de... M. Trudeau et Chrétien avaient essayé d'abolir le statut indien, ce qui voulait dire d'inviter les Indiens à devenir comme des immigrants reçus. C'est une belle idée, par exemple. C'est une belle idée universaliste, mais terriblement idéaliste, qui n'avait pas de bon sens, comme de raison pour l'idée des gens qui ont, dans leur propre définition d'eux-mêmes, l'attachement à l'intégrité, à l'appartenance au territoire, immémorial et social, bien ensuite, bien sûr,
avec tout cet édifice de paternalisme qui a été bâti, de ségrégation mélangée à des objectifs d'assimilation, qui a toujours été la contradiction fondamentale de la politique canadienne, les foutre dans des réserves, mais en même temps, essayer un par un d'en faire des blancs, c'est-à-dire nier ce qu'il puisse y avoir de commun dans leur héritage partagé, dans le projet d'eux-mêmes et dans les façons de vivre qui les définissent et de penser. Alors, l'idée du gouvernement autonome, il se trouvait à régler un peu tout ça en même temps. Et Ottawa, ils voulaient eux autres même, ça n'avait pas de bon sens, ils avaient proposé d'abolir la loi sur les Indiens. Et à partir du moment où les Indiens deviennent des Canadiens, ce qui était l'idéologie de la loi, c'était prévu que dans les domaines de responsabilité constitutionnelle provinciale, ben mon Dieu, il cesserait d'avoir un service pour l'éducation des Indiens, puis un service pour la santé des Indiens, dépendait du ministère des Affaires indiennes, du ministère de la Santé du Canada. Et ça, c'était des maudits ghettos, on critiquait les réserves, et ainsi de suite. On disait que c'est de la ségrégation à la con. Et dès lors, par exemple, pour toute l'éducation, pourquoi les Indiens, tout simplement, ne s'intégreraient pas dans les réseaux provinciaux? L'éducation, c'est une responsabilité. Même chose pour le relief, c'est-à-dire les affaires sociales, l'aide sociale, la réhabilitation des plus jeunes, la lutte à la délinquance, et toutes ces histoires, c'est des responsabilités essentiellement provinciales. Alors, le fédéral était ouvert à l'idée aussi de transférer, il y avait eu des démarches, il avait même été entamé pour administrativement transférer le pouvoir. Donc, dans l'horizon géopolitique, chicane fédérale-provinciale, ça arrivait au bon moment. Quand je dis cette idée de transfert de responsabilité de l'administration fédérale des affaires indiennes et du Nord, peu importe les subtilités internes là, de l'administration des affaires autochtones au Canada, il y avait été organisé une tournée. Disons que j'avais contribué à la dire qu'il faudrait. Une tournée pour aviser les Autochtones, Inuits, des villages Inuits, mais aussi Cree, autant qu'on incluait toujours Wapmagoustui, pas la baleine, dans le territoire. Alors, il expliquait que c'est pour leur grand bien, comme de raison, que les deux gouvernements avaient décidé de passer. Mais le fédéral restait responsable. Papa s'en va pas. Bon. Mais, maman ou cousin Québec va s'occuper de servir, puis de faire les affaires. C'est une responsabilité déléguée, pas plus que ça. Alors, ça avait stimulé l'esprit critique et la conscience historique chez les peuples autochtones, qui avaient fait quelques réunions auparavant. Les gars des coopératives y étaient pour quelque chose. Ou est-ce que lorsqu'ils recevaient les émissaires, moi, je m'étais fait nommer hypocritement secrétaire de la commission consultative pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'y passait. Et je prenais des notes, c'est tout. Et donc, les réunions commençaient, et là, il se présentait quelqu'un, un chef, un leader quelconque, là, il disait, bon, là, il y avait l'AIUS, les deux gouvernements ont décidé, puis il se sentait obligé de dire, selon la loi 1912, puis, bon, là, il commençait, il y avait leur entrée tout de suite, les leaders, ils disaient, si on comprend bien, faites 200 ans que vous passez votre temps à vous dire, tu sais que celui-ci, que celui-ci, est-ce qu'il y a jamais quelqu'un qui a dit que c'est pas à vous autres, ce territoire-là, c'est à nous autres? D'après nous, c'est ça la question, là, d'abord. Voyez-vous, ce qu'on aimerait, là, puis là, il y avait toujours une carte, parce que les émissaires du gouvernement, tu sais, très bien, hein, tout à fait civil, libéral d'esprit, mais il fallait bien qu'ils montent, qu'ils expliquent le dossier. Alors, il y avait une carte. Alors, il y avait toujours un leader qui disait, passe-moi le crayon, s'il vous plaît. Là, il faisait une ligne en bas de la bulle du son, jusqu'à bas de la baie d'Ongava, jusqu'à la pointe du Labrador, disait, regardez, ça ici, là, ce qu'on aimerait, là, c'est qu'au lieu de vous séparer l'administration, c'est que vous nous la laissiez. On va administrer, ça serait chez nous, ça. Puis on administrerait ça avec votre aide et tout ce qu'il faut, là, mais ça, tout le long, c'était comme ça. Alors, le soir, on en reparlait avec les deux émissaires, et ils rigolaient, eux autres aussi, parce qu'ils disaient, qu'est-ce que tu veux, ça y est. Puis moi, secrètement, je disais, la plus belle chose que les gouvernements pouvaient faire pour mousser l'idée
qui nous fait travailler depuis quelques années, mais on était une pochette, pour répandre cette idée, ça a été cette tournée. Ça a, une fois pour toutes, mis en tête de tout le monde au Nord que ce qu'il fallait faire, c'est un gouvernement autonome. L'autre chose qui est arrivée, tout ça est arrivé à peu près en même temps, c'est-à-dire l'idée de gouvernement autonome, ça s'est développée rapidement au pays des Inuits, telle enseigne que ça s'est rendu jusqu'au point, et là aussi, moi, je préparais les choses ici à Québec, jusqu'au point où on a une rencontre entre des représentants systématiques des conseils de village Inuit et le ministre des richesses naturelles à l'époque, c'était sa responsabilité, pour... Tout ça est préparé, c'est une cérémonie, on savait très bien ce qui se passerait. Les Inuits venaient dire « on aimerait fonder un gouvernement autonome ». Le ministre disait « oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et il devait répondre, un instant s'il vous plaît, il devait répondre le ministre « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Oui, ben, faites-nous une proposition et on vous attend. Et on est prêt à vous aider pour vous rencontrer et faire une proposition. Ça s'arrêtait là. Ça a changé un certain nombre de choses. Le lendemain, les médias titraient « Les Esquimaux choisissent le Québec ». Wow! C'était pas ça. Les Esquimaux choisissent de se gouverner. Mais ça l'a brassé beaucoup de cartes. On reprendra. Allô, oui, excusez. Bon, c'est décourageant.